Pour la deuxième partie de notre module MQTT, on va construire un serveur Mosquito. On va suivre l'instruction qui est placée dans les slides 50. Et après, on va activer les services Mosquito. Maintenant, il marche. Si vous avez suivi les premières vidéos, je vais changer juste les dernières codes pour voir les premières vidéos. Et tout ce que je vais faire, c'est changer notre broker. Pour copier la ligne, je fais escape, GG, YY, et après escape, PP, escape P, paste, et je copie un de plus, escape U, U. Escape U pour l'effacer. Si j'ai vu effacer la ligne, Escape DD. Et de cette côté-là, on va placer l'IP de notre deuxième machine virtuelle. Escape I. Servo.124 escape2.x et à la place de se brancher à IFMQ il va se brancher au deuxième machine virtuelle et il est connected. Ça marche. CTRL C, je l'arrête. Et on va aller au prochain slide. Dans le deuxième slide, j'utilise la commande ifconfig, mais vous pouvez utiliser host name i majuscule et il va vous donner l'IP.
Prussian is light. Se hace por teste. On vient de faire le test avec la première machine virtuelle que on a construit aujourd'hui avec Python 3. Si vous voulez faire effacer la fenêtre, c'est avec Clear. On va faire l'addition de, selon le dernier exemple, le momo02.python. Et je vais changer le broker. Je vais mettre un commentaire celui-là. Je vais activer set broker address. Je vais placer l'adresse de mon broker Mosquito 124, parfait. N'oubliez pas de placer votre propre identificateur pour le client. Et on va placer ici test team broker Momo. On va enregistrer ça. Et pour savoir si on est en train de recevoir l'information, ça c'est les commandes. Slide 5 can do. Mosquito. -d-t en Gomez 1974. Je fais Enter et de ce côté là je vais exécuter. Je vais les exécuter. Testing broker Momo.